Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Rayouan. Aujourd'hui nous sommes exceptionnellement sous la pluie. Oui, une première pour Rayouan, une première également cette saison pour le train des Franches Montagnes où nous sommes actuellement. Mais on va voir tout ça dans quelques instants. Réflexe, vous lance le sommaire. Retrouvez dans un premier temps l'histoire de la ligne ainsi que celle de la traction. Nous vous présenterons ensuite la locomotive G2x22E164. Nous enchaînerons avec Emmanuel Gonia, président de l'attraction, qui a répondu aux questions d'Étienne. Nous terminerons par les manœuvres de formation du train et un peu d'action. Rayouan, saison 2, épisode 3, ça démarre maintenant. Dans Rayouan pour cet épisode 3, c'est les duplex que nous inaugurons. Alors en plus avec le temps, qu'il y en ait un des deux qui soit à l'abri. On retrouve Étienne qui est dans la cabine pour le début de la mise en chauffe, c'est ça Étienne ? Oui exactement, donc le début et puis voilà, on va voir de quoi il en est. C'est ça, alors on a commencé à 5h30 ce matin pour un départ vers 13h30. Ça prend toujours assez de temps pour chauffer la locomotive, environ 6 à 8 heures. Parce que nous avons plus de 2000 litres d'eau à chauffer, passer de 10 degrés à 200 degrés, à 14 bars l'eau est à 200 degrés. Et c'est important de chauffer toute la locomotive uniformément, tout l'acier de la chaudière uniformément. C'est pour ça qu'on doit commencer assez tôt. Mais on profite de ce moment de chauffage gentiment pour faire le graissage, le nettoyage, la préparation des divers éléments. Et c'est pour ça qu'on commence avec du bois. On ne commence pas avec du charbon parce que le charbon il a besoin de beaucoup de chaleur et il chauffe très fort. Donc on commence avec du bois pour chauffer très gentiment la locomotive. Et à la fin, on prend le charbon qu'on a dans la soute ici juste derrière où on a environ 2,5 tonnes de charbon. Est-ce que c'est assez précis, monsieur Châtillon ? Mais c'est parfait, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure. Alors ça sera moi du coup qui sera à la place d'Étienne. On commence l'émission par notre traditionnelle chronique histoire, compilée avec justement mon compère Étienne Bergeon. La voici. La ligne de Glovelier à Seignelay-Gier a été construite en 1904 dans une zone très sauvage, la Comte-Abeillon, et a connu dès sa construction pas mal de difficultés financières. En 1944, le RRG, donc le Régional Seignelay-Gier-Glovelier, a fusionné avec trois autres compagnies pour créer la compagnie des chemins de fer du Jura. Il faut savoir que cette ligne qui relie ici Glovelier à Seignelay-Gier a été à la base construite à voie normale, donc 1435 mm d'écartement, et était dans un très très mauvais état après-guerre. En 1948, le trafic voyageur a été interrompu vu la mauvaise qualité de la voie. Et toute la ligne a été transformée de l'écartement voie normale à métrique. Ce qui fait qu'à partir de 1952, le trafic a pu reprendre sur cette ligne, comme sur les autres lignes des Franches Montagnes, des chemins de fer du Jura, en traction électrique. Voilà, nous sommes sortis du train des horlogers, comme on l'appelle, mais c'est une motrice de 1953 qui a été mise en service sur le réseau métrique des chemins de fer du Jura, nouvellement électrifié à cette époque-là. Nous en avons fait l'acquisition en 2011, une révision pour une mise en service sous le nom du train des horlogers en 2013.
Alors, l'aventure de l'attraction commence, je crois on peut le dire, à l'occasion des 100 ans des chemins de fer du Jura, où les CJ ont amené une locomotive à vapeur pour les festivités. Et là, a germé, dans l'esprit de certaines personnes, l'idée d'exploiter durablement un train à vapeur aux franches montagnes. Un potentiel touristique, des beaux paysages et une passion pour la vapeur était à l'origine de cette démarche. Nous avons trouvé un dépôt ici à Prépetit-Jean dans une zone absolument parfaite pour ça, c'est-à-dire une zone artisanale, un peu à l'écart des habitations. Des locomotives ont été trouvées au Portugal, à vapeur. Petit à petit, des voitures et puis finalement, année après année, le tout s'est consolidé. On a construit des voies, on a récupéré des aiguillages, on a retrouvé d'autres voitures pour arriver à ce qu'on peut voir aujourd'hui à Prépetit-Jean, tout près de Montfaucon. Voilà qui était pour l'histoire. Maintenant, nous allons de nouveau rejoindre la mise en chauffe à l'étape dégraissage. Effectivement, toujours avec Martin, l'étape dégraissage, du coup, une étape importante, c'est ça, pour l'entretien de l'embiellage. C'est ça. Alors ici, on voit une partie du système. Donc, toutes les pièces en mouvement sont agressées. Il y en a pas mal parce que ici, on a une locomotive mallette. C'est la particularité d'avoir 4 moteurs à vapeur. Ici, on en voit, il y en a 2. Ce graissage se fait pendant la préparation. C'est pendant les 6 heures de préparation. On a plusieurs types d'huile à mettre. C'est l'occasion aussi pour nous de contrôler que tout va bien, qu'on n'a pas perdu de pièces ou bien qu'il n'y a pas de vis qui se sont dévissées. C'est une étape assez importante où on prend le temps de faire les choses convenablement et de contrôler ça avant le départ. Ok, super. Alors du coup, on va voir ensuite l'étape du cendrier, c'est bien ça? C'est ça, c'est la dernière étape qui reste à faire. Et c'est à découvrir juste après du coup la séquence matériel roulant, c'est ça Étienne? Exactement, où Tim Chanet et Mathis Courte vont analyser cette magnifique locomotive. Retrouvez l'émission sur YouTube ainsi que le programme des futures diffusions sur notre site internet railone.ch. Je me trouve actuellement devant la E164, une des 3 locomotives à vapeur de l'association. De son nom complet, G2x22CPE164, la petite vapeur en a fait du chemin. Vous ne me croyez pas? Et si je vous disais que cette loc venait du Portugal? Vous ne me prendrez sûrement pas au sérieux. Et pourtant si, construite en 1905 par l'entreprise allemande Henschel & Son, elle fut envoyée pour ses premières années de roulement à la compagnie portugaise Minot et Douro. La locomotive portait alors le numéro 404 et était précédée de l'abréviation MD. En 1947, la petite vapeur fut vendue au chemin de fer portugais et prit dès lors son immatriculation actuelle CPE164. C'est en 1902 que la traction décida d'acheter la machine afin d'agrandir son parc ferroviaire. 6 ans plus tard, l'association reçut de la Fondation d'impulsion économique régionale une offre de prise en charge des frais d'achat et de révision de cette locomotive. Entièrement révisée à Meiningen en Allemagne, aux ateliers de la Deutsche Reichsbahn, elle fut par la suite transportée par camion en convoi exceptionnel jusqu'à Prépetit-Jean en été 1929 et fut inaugurée le 19 septembre de la même année. Passons maintenant à un peu de technique. D'une capacité de 4500 litres d'eau et d'1,5 tonne de charbon, la locomotive est capable de délivrer une puissance de 370 chevaux vapeur, soit 390 kW et 66 kN de traction. Justement, afin de courser les chevaux les plus rapides, la petite vapeur possède une vitesse maximale de 40 km/h. Elle mesure 10,8 mètres de long, 9,7 mètres hors tampon et pèse 42 tonnes à vide. Et maintenant, quelques petites anecdotes. Le 7 août 2003, la E164 effectua un transport exceptionnel. En effet, cette dernière tirait la RE460-036 Franche-Montagne pour son baptême entre Glovelier et Seignelégier. Un grand moment, car c'est bien la première et la seule 460 qui ait circulé sur une voie métrique.
Puis, en octobre 2006, la locomotive tracta un train spécial pour les candidates de Miss Chine et fut invitée en début d'année à participer au Festival de la Vapeur de la Baie de Somme en France. En 2018, la petite locomotive fut invitée à participer au Festival de la Vapeur de Blenay-Chambly et y a assuré des trains voyageurs durant deux week-ends. Pour finir, c'est en 2019 que la E164 a décidé de se redonner un petit coup de jeunesse, notamment avec la révision de sa chaudière et l'entière reconstruction de sa cheminée. Nous sommes toujours au dépôt de Pré-Petit-Jean, et puis la mise en chauffe continue. Nous allons voir ce qu'il en est avec Mathis. Effectivement, Étienne. Alors, on retrouve de nouveau Martin. Donc, on a vu une étape juste avant, c'était le cendrier, c'est ça? Explique-nous un petit peu l'importance de faire cela. Alors, on était effectivement sur la fosse. On vient de déplacer la locomotive. Là, on a remis en place pour la mise en chauffe, pour terminer ce qu'elle doit faire. Mais on doit toujours vider le cendrier. Le cendrier, c'est ce qu'il y a sous le feu, c'est où on récupère les cendres. Mm-hmm. Et y en a pas mal après une circulation. Et là, on est allé sur la fosse pour vider ça, parce que sinon, après, ça bouche et puis il n'y a plus de tirage pour le feu. Alors, c'est au niveau de la grille, du coup, c'est bien cela? C'est sous la grille, en fait, c'est sous le feu. Alors, ça tombe continuellement pendant la marche. Mm-hmm. Et ça a deux fonctions. Bon, récupérer pour ne pas en mettre partout, mais surtout pour les cendres qui sont encore incandescentes, pas qu'elles tombent sur la voie et puis qu'elles mettent le feu aux herbes ou aux talus qui sont juste à côté. C'est notre gros problème des locomotives à vapeur, c'est de... En été, bon, cet été ça allait parce qu'il n'y avait pas trop de sécheresse, mais les étés où il y a de la sécheresse, c'est un élément très critique. D'accord, là on a vu du coup l'étape d'égraissage, au début la mise en chauffe, maintenant le cendrier. Ça en est où, la locomotive est bientôt prête? Alors qu'on fait le cendrier une dernière fois avant de partir, donc ça veut dire qu'on est quasiment prêt, tout a été... terminé. La dernière chose, c'est de monter une dernière fois la pression jusqu'à sa pression nominale de départ, disons. Mais le graissage est prêt, on a encore les réserves d'eau à faire, environ 3500 litres d'eau à prendre avec nous. Et puis mettre les lanternes dessus, et puis on sera après aller former le train, faire les manœuvres, puis on sera prêt. Et justement, donc on suivra vos manœuvres tout à l'heure. Et juste avant, Étienne, je crois que tu as un invité à accueillir. Effectivement, c'est Emmanuel Gogna que je vais interviewer donc dans le wagon-restaurant magnifique. Merci Mathis. Avec plaisir. Je vous rappelle que si vous voulez découvrir l'envers du décor de ces moments uniques, vous pouvez vous rendre sur une de nos pages sur les réseaux sociaux comme Instagram avec @raiwan-off. Emmanuel Gogna, bonjour. Merci d'avoir accordé cet entretien. Vous êtes le président de la Traction SA. Comment expliquez-vous cette attirance pour les trains historiques? Au niveau du public, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a besoin de dépaysement, de vivacité aussi. Une locomotive à vapeur en particulier est très vivante, ça bouge, ça fait du bruit, ça fume, c'est chaud. Et bon, je pense qu'aussi pour beaucoup d'enfants, y a un attrait du train à vapeur. Et en tout cas, nous sommes très satisfaits de ces clients qui repartent presque toujours, si ce n'est toujours avec le sourire. Alors, vous avez une grande richesse de véhicules abrités dans un parfait état. Dites-nous un peu qu'est-ce que l'on peut voir justement chez vous. Alors, l'attraction possède trois locomotives à vapeur. Une des spécificités, c'est que nous avons deux locomotives de type mallette, ce qui est un type assez particulier, plus une petite 3-4 avec un chemin de fer rétique. Les deux locomotives mallette sont pas des machines d'origine ici du réseau, mais que nous avons achetées au Portugal, entièrement révisée et mise en service à partir de 1993 pour la première et 99 pour la deuxième. On a aussi une automotrice et puis une voiture pilote de 1953 construite pour les chemins de fer du Jura au moment de l'électrification complète de la ligne. Et sinon, une petite dizaine de voitures, dont certaines sont aménagées en voiture restaurant. Et peut-être pour terminer, un fourgon automoteur de 1916. Vous organisez plusieurs escapades comme celle-ci entre mai et fin septembre.
Et on découvre au fur et à mesure de l'émission la mise en chauffe. Et on va voir la suite de la journée dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui se passe en amont avec les chemins de fer du Jura pour que vous puissiez rouler justement avec votre matériel? Alors, nous avons un excellent partenariat avec les chemins de fer du Jura, dans le sens où nous n'avons qu'un seul client, ce sont précisément les chemins de fer du Jura. C'est-à-dire que ce sont eux qui nous achètent la prestation train, et les CJ s'occupent de la commercialiser et de la vendre aux clients individuels. Si vous achetez un billet pour le train vapeur, vous l'achetez au chemin de fer du Jura. Et pour nous, l'attraction, c'est une association qui ne fonctionne que sur le bénévolat. C'est extrêmement précieux de pouvoir compter sur cet appui vente, marketing professionnalisé par les chemins de fer du Jura, qui de toute façon ont un réseau, des bureaux de vente qui sont là. Ça, c'est pour la partie, je dirais, commerciale. Et puis, bien entendu, ce parc de véhicules nécessite beaucoup d'entretien, de l'entretien courant, des contrôles protocolés et des révisions un peu plus importantes qu'on planifie au fil des années. Et puis le public est au rendez-vous. Par exemple, aujourd'hui, vous êtes complet. Oui, alors depuis... en général, nos trains publics sont presque toujours complets. Cette année, c'est plus particulièrement le cas. Depuis le début de la saison, on a toujours affiché complet, disons... quelques places éparses comme ça qui étaient encore libres, mais nous sommes vraiment très très satisfaits en général de la présence et de la réponse donnée par le public à notre offre, et cette année également malgré la situation sanitaire. On va justement découvrir la suite avec le public juste après les manœuvres. Emmanuel Gognat, merci beaucoup. Merci à vous de la visite. Et à bientôt dans Railway. Au revoir. Alors là, nous sommes en train de manœuvrer. Nous avançons donc avec la locomotive. Vous voyez dedans, probablement par l'intermédiaire de M. Chanet, bonjour. Les autres sont sur place. Donc là, vous avez le régulateur. Le but est d'aller chercher les voitures, les deux voitures qui sont ici pour le moment. Là, vous avez... voilà, c'est bon, vous aviez le foyer avec un bon feu. Nous allons chercher les voitures. Deux voitures sont ici actuellement, les autres sont à Saigne-Légier pour cause de travaux sur la ligne. Donc voilà, vitesse réduite, on est pas loin des 12,5 bars de pression, c'est ce qui est énorme par rapport au Suzapper Park où en général à 6 bars, sur la plupart des machines, on a les soupapes qui déclenchent, c'est déjà énorme. Alors nous sommes un peu plus vers le dépôt, direction le dépôt, et voilà, la locomotive est en train de reculer. Je vois la caméra de Monsieur Chenet, oui, je vois qu'on vous voit, on recule. Là, on va préparer, ça va bientôt atteler, hein. C'est magnifique, elle est en train de reculer à basse vitesse. Il reste combien de mètres, Étienne? Ah, je dirais 3, ouais, 2 peut-être maintenant, bon, un petit peu plus. Là, on s'approche vraiment, plus qu'un mètre, et là, on y arrive, hein. Là, c'est bon. On est dessus? Tout est bon. Génial. Ouais. Ouais. Alors justement, là, la manœuvre est terminée. Mais l'entretien de la machine continue. Là, on voit le foyer. Il faut regarder absolument ce qui se passe et remettre tout de suite du charbon. Voilà, là, Étienne, on sent qu'on est vraiment prêt pour le départ bientôt.
pas loin. Mon faucon, il y a des personnes apparemment qui se sont évadées. Mais je comprends pas ce qui se passe, je l'appelle. Il y a peu de raison qu'il vienne sur nous. Ben, j'ai pas compris pourquoi il m'a envoyé ça. Ouais, j'ai vu ton message, mais qu'est-ce que t'as lu ça où? Ok, et c'est grave en fait ou... Ah bon? Ok, alors on lance duplex breaking news, on prend l'antenne, je prends l'antenne. On te retrouve en duplex Mathis. Ok, à tout de suite. Maintenant avec Mathis Courte qui est un peu plus loin dans la gare. Mathis, tu m'as appelé pour me dire qu'il y a des brigands, c'est ça, qui se sont échappés. Tant qu'on met en place le duplex, un petit peu de temps est passé. T'as plus d'informations? Exactement, ce sont des brigands qui se sont échappés de la prison de Montfaucon. Alors on ne sait pas où est-ce qu'ils sont actuellement, où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'elles font. Ok, elles sont armées, c'est ça, c'est ce que tu me disais après? Exactement, on a confirmé qu'elles étaient armées. D'accord, et de Montfaucon c'est pas loin, c'est ça? Voilà, c'est dans les environs ici de Bolmont. Ok, bah tu nous rappelles plus tard si tu as d'autres informations? Exactement, je vous tiens au courant de la suite des événements. Merci, merci en tout cas de l'information et puis bah j'espère pas à bientôt parce que sinon on va s'en prendre une, merci. S'il n'y a pour un sac d'Awan, elle reviendra en vie. Okay. S'il n'y a pas pour un sac d'Awan, elle sera. Ok. Ça ne peut pas faire ça, tu as notre bouche dans une autre personne. Une fois que vous rencontrez, c'est que vous avez vu tout. Ok. Ça va aller? Je vais pas. Sans vue. Voilà. Merci. Ouais, ces dernières minutes. Ah ouais, elles sont rigolotes. Elles sont rigolotes ces dernières minutes.
un joli petit étang ici. Pas très profond, 4 mètres. C'est déjà pas mal, mais avec une bonne grosse pierre au pied gauche, vous pouvez être les meilleurs nageurs du monde, exclus. Vous ferez sucer par les grenouilles. Et la troisième possibilité, on a engagé la meilleure viseuse de la région. Si vous ne bougez pas trop, elle vous aura du premier coup. T'habites où, Dani? Dans la région de la Nuque. Joli de mourir dans la région. Belle région comme ça. Et puis toi, t'es deux? Pour entrer. Ni finir aux franches. Bravo. Extra, puis toi? De Courte-Larry. Camille Bloch. Exactement. Tu bosses là? Non. Extra. Alors écoutez, maintenant, c'est pas le tout, je vais chercher la rançon. Je peux pas. Miranda. Daniel, je t'invite à descendre. Ouais. Je vais chercher la rançon. D'accord. Et puis comme j'aime pas trop marcher, vois-tu. D'accord, alors voilà, je te passe le volant. Oui, merci. Tu peux seulement te mettre sur le caillou. Alors écoute, Daniel, c'est pas passé en bas qu'il faut. Parce qu'ils sont tous bien. On est bien équipés. Hein. Tu ne ferais pas 2 mètres, on a intégré les 3 types. D'accord, ok. On tire plus vite que ton ordre. Ça va bien. Alors, je dois vous dire encore une petite chose. Si tout va mal, vous avez encore 4 minutes à vivre. C'est bon. Alors, pensez au meilleur moment que vous avez vécu. Parce qu'une vie, que tu es 70 ou que tu sois plus jeune, une vie est toujours trop courte. T'es d'accord? Mais oui. Alors, à tout de suite. À tout à l'heure. Elle est à combien cette rançon? Allez, c'est pour le fourrage des chevaux. Il nous faut pour un sac d'avoine. Ah, c'est vrai? Et c'est vraiment ça? Ouais. Non, je veux dire, vous avez vraiment calculé... Après, si on n'a rien, on n'a rien. Hein, mais... Oui, mais... Mais on dit que c'est pour le fourrage des chevaux. Parce qu'il faut qu'on leur donne à manger pour qu'ils galopent si bien. Oui. Donc si on a pour un sac d'avoine, en principe, vous êtes libre. Voilà la rançon. Bon. Alors, La recette était bonne. Alors, c'est maintenant que je vais regarder la recette. Des fois, ils mettent des cailloux dedans. Alors, bien sûr, la dernière fois, ils m'ont roulé avec des cailloux. Alors, ils ont tous fini là-haut, où tu as choisi. Ah, ouais, d'accord. Alors, maintenant, je vais regarder. L'argent, c'est pour le fourrage des chevaux. S'il y a assez pour un sac d'avoine, s'il y a assez pour acheter un sac d'avoine, vous serez libre. Mais s'il n'y a pas le compte, vous savez encore ce que vous avez choisi, hein. Nous aussi. Alors, ça c'était le devant du. Le devant. Daniel t'a déjà sauvé. C'est par wagon. Alors si on a un wagon qui est pas. C'est le devant. Oula. Et l'arrière. Il faut toujours bien choisir ses voisins de wagon. On a les deux premiers wagons puis les deux derniers. Donc oui, c'est. Alors le dernier, c'est limite. Mais comme les premiers ont été plus généreux que les derniers. Vous êtes tous libres. Tout le monde est libéré. Tant mieux, parce qu'on était déjà bien mouillés, rien qu'en dehors de l'étang. Vous avez le droit. Alors, je leur ai dit que vous avez passé un mauvais quart d'heure. Oui, ça, c'est vrai. Alors, faudra oui, prendre la pire des positions. Tête en bas, oui. Les cheveux décoiffés, voilà, parfait. Ouais. T'as pas le vertige, toi, Daniel? Non. Alors, ce que je pourrais te demander à toi, si tu peux te mettre, tu mets ton pied dans l'étrier, puis tu te couches en avant, puis tu te tiens avec les mains de l'autre côté. Sauf que t'avais à moitié fini. Tu veux essayer? Ouais. Voilà. Puis tu t'éclipses ton cours, hein, que tu sois à l'aise. Juste pour aller. Il est pas trop loin. Et puis vous alors, décoiffé, tout le bazar, défait à moitié les vestes, certaines enlèvent se dégrèvent, quoi. Toi, t'as Daniel. Ça va aller?
Voilà, ça c'est magnifique. Alors, vous avez prévenu. Vous avez prévenu, plus ça va, non ? C'est dommage. Ils viennent de très loin, mais grâce à vous, on les a quand même les sorties. Attention. Mais vous n'en pas tout. Je pense qu'on pourra aller après. Je vais prendre d'abord une photo. Ouais, ouais, chacun son tour. S'achève ici à Seignelégier. Pour nous, le train à vapeur des Franches-Montagnes, lui, repart sur Prestigeon. Dans deux semaines, nous serons à l'AOMC, la deuxième ligne des TPC que nous découvrons. Le samedi 16 octobre, l'AOMC des TPC sera au programme avec notamment la visite du dépôt atelier de Chalais, comme nous l'avions fait pour le Bévillard-Bretet avec le dépôt du Bévieux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Ciao.